Il n'y a pas longtemps, j'ai été contacté par Lafnor. Je me suis dit, c'est quoi Lafnor? C'est une nouvelle marque d'étagères suédoise. C'est le beau-frère de Thor. Je suis Lafnor, le dieu des petits pains grillés. Non, rien à voir. En fait, c'est l'association française de normalisation. Et là, tu te dis tout de suite, ouh, normalisation, on va s'éclater, c'est hyper fun. Hein, c'est quoi? C'est les mecs qui ont inventé la phrase comme un lundi? Non, en fait, le truc, c'est que la plupart des normes en France, elles sont volontaires. Et le boulot de Lafnor, c'est d'être sûr qu'elles soient d'équerre. Et ils m'ont dit, on aimerait bien que tu nous fasses un sketch sur ceci. Le bouchon en liège pour les vins mousseux. J'ai dit, hé, vous m'avez bien cerné. Ils m'ont dit, ouais, on hésitait entre toi et Renault, mais t'as quand même une meilleure diction. Pas sûr. Ta-ta-ta. D'ailleurs, j'aimerais bien mettre les choses au point. Je ne suis pas alcoolique. Hein. Je suis juste un bon vivant. Hein, d'ailleurs, j'ai été voir mon médecin il n'y a pas longtemps. Il m'a dit, c'est quoi votre relation avec l'alcool? J'ai dit, franchement, on s'entend hyper bien. Hein, l'alcool commence une phrase, je la finis. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, toi-même, tu sais. Et donc, j'ai discuté avec un ingénieur, un spécialiste, qui m'a expliqué comment ça se passait. Parce qu'on dirait pas, mais ça, c'est une prouesse technologique. C'est comme une fusée. Le gars, il m'en parlait, c'était le Elon Musk de la picole. Parce qu'il y a des étages. Il y a du liège naturel, du liège aggloméré, des rondelles de liège. D'ailleurs, le bouchon, il n'a pas cette forme-là au début. Il est cylindrique. C'est qu'après qu'il prend la grosse tête. Il m'a dit, on fait des réunions avec les fabricants de bouchons, avec les producteurs de champagne, de crémant, de cava, de prosecco. Je lui ai dit, ça doit être sympa vos réunions. Il m'a dit, attention, c'est beaucoup de travail. J'ai dit, oh, pas que. Il m'a dit, si, il faut qu'on arrive à un consensus. J'ai dit, oh, vous devez y arriver à un moment donné. Oui, parce que ce truc, ça peut sortir très très vite, à plus de 50 km/h. Ça veut dire qu'à Paris, il se prend une contredanse. Hop, 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 vous savez combien vous alliez là? Oh, et en plus, vous sentez l'alcool. Il faut pas qu'il sorte trop lentement. D'ailleurs, il y a un produit spécial pour faciliter ça. La glissitude, le glissement, le glissage. Mais il faut pas qu'il sorte trop vite. Sinon, tu peux te le prendre dans l'œil. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas d'accident. Mais s'il n'y avait pas de normes, il y en aurait plus. Vous aussi, accident de bouchon? Ah non, moi, je suis prof dans un collège. Bah voilà, c'est tout pour moi. Tiens, c'est tout pour moi. Ça aussi, c'est une norme dans l'humour. On devrait peut-être en changer.